quitte l'école. En fait, depuis ce matin, je suis très énervée parce que ces espèces de cons qui viennent sur mon Instagram pour commenter, il y a des gens qui me disent « Oui, mais si ça te touche pas ». Non, en fait, c'est pas que ça me touche pas. En fait, ce qui me casse les couilles, voilà, ce que je vais vous dire qui me casse les couilles, c'est qu'il y a un moment pour tout. Si t'aimes pas ma voix, t'aimes pas quand je chante, déjà t'arrêtes de me suivre. Bref, ça, c'est toujours le même problème. Tout le monde parle de ça. Des gens qui crient. Et qui suivent. C'est pas le problème. C'est juste qu'il y a des gens qui disent oui, mais il a eu des trucs avec son ex-copine. Là, là. Apparemment, il n'y a pas de preuves sur ça. Donc pourquoi vous critiquez? Et moi, ce qui m'a touché, c'est que hier, j'étais sur YouTube et j'ai entendu la musique du mec. Je me suis dit, mais putain, c'est un truc de ouf. Comment il chante? Ça m'a vraiment touché. Et je suis rentrée chez moi, genre à 11h du soir. Je suis allée manger avec des amis avant. Je me suis dit, ben, j'ai envie de chanter sa chanson. Il m'a, je sais pas, ça m'a touché. Ça m'a. Et. À quel moment tu viens critiquer quelque chose où il y a quelqu'un qui vient de mourir en fait, un mec qui vient de décéder? Ferme ta putain de gueule en fait. Et si j'ai envie de chanter, je chante. Et je chanterai toute ma vie. Et tu vas me supporter toute ma vie parce que ma musique va sortir dans pas longtemps. Voilà, je me suis réveillée du pied gauche. Je me suis dit hier, je vais faire cette petite vidéo quand je vois tous ces putains de commentaires de ces espèces d'abrutis de merde. Parce que je le dis, si vous êtes en train de me regarder, vous êtes des espèces de cons d'abrutis de merde. Les gens qui font des trucs comme ça, qui commentent à des moments où faut pas commenter dans la vie. Allez vous faire foutre en fait, je vous emmerde. Ok ? Voilà. Bon, sur ce, je vais retourner en classe. Je rigole, mais j'ai pas le moral dans les chaussettes parce que je me dis putain, la vie de n'importe qui peut s'arrêter à n'importe quel moment. Quoi. Hier, il y a quelqu'un qui est venu, il a tiré dessus au mec. Sa vie s'est arrêtée, il avait 20 ans. Donc je sais pas, je connais pas vraiment son histoire, rien, mais. Depuis hier, ça me travaille en me disant, putain, mais on peut mourir à tout moment, on peut vraiment profiter de la vie. C'est pour ça que je sais ce que je fais, et c'est pour ça que je fais ce que j'ai envie, je fais vraiment ce que je veux, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et comme je vous l'ai dit, je vais chanter encore et encore et encore, et je vous emmerde au plus haut point. Mais vraiment, tu vois le point le plus haut? Alors après, il y en a qui vont encore me dire, oui, mais Shana, tu te rends compte, il y a des gens qui meurent partout dans le monde, tous les jours. Ok, je sais, tu veux que je fasse quoi? Je peux rien faire. Voilà, je suis triste et je suis désolée d'avoir des trucs des fois sur les réseaux sociaux, des enfants qui meurent, des trucs, il y a la guerre, il y a des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Voilà, moi j'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est un chanteur ce qui chante. Tu veux que je fasse quoi quand il y a des enfants qui meurent, des trucs comme ça? Je prends quoi? Moi je prends un fusil, je vais tirer sur tout le monde. Je peux rien faire. Je sais très bien qu'il se passe des trucs de ouf dans le monde entier tous les jours et que c'est hyper triste. On peut pas tous les jours penser à ce genre de choses. Malheureusement, c'est triste, mais qu'est-ce que tu veux faire? Juste, soyons positifs et profitons de la vie. Et arrêtez de faire chier des gens parce que vous faites chier dans votre vie. C'est tout. Juste voyez le positif, c'est ce qui est important dans la vie. Le positif. Et faites ce que vous avez envie de faire, bordel. De merde.